surtout historique aussi, parce que cela n'a jamais été fait jusqu'à présent. C'est la première fois, effectivement, que les deux intercommunalités du Nord et de l'Est se réunissent autour d'une table et décident de travailler ensemble sur un projet concret qui est censé créer du lien entre les deux territoires et permettre à nos populations respectives, de l'Est et du Nord, eh bien de se déplacer de manière plus facile à travers la mise en œuvre de voies réservées pour les bus depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis, une continuité finalement, et aussi une mutualisation, une interconnexion au niveau des deux réseaux, le réseau, les bus estivales, les bus du réseau estival et les bus du réseau Citadis. Donc voilà concrètement comment on veut travailler et on veut aller vite, parce qu'on l'a dit ce matin aussi à l'occasion de ce point presse, les routes sont saturées aujourd'hui. On fait face à ce qu'on appelle un coma circulatoire. Les gens n'en peuvent plus. Et il y a véritablement une urgence aujourd'hui à travailler sur ces problématiques. Et donc, grâce à la mutualisation aussi de nos moyens, Sirest et Sinor, eh bien, nous pourrons aller plus vite et proposer, avant la fin de notre mandat, je l'espère en tout cas, des solutions aux automobilistes de la Réunion, aux Réunionnaises et aux Réunionnais de l'Est et du Nord pour que les déplacements ne soient plus un fléau chaque jour.